Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et oui, vous ne rêvez pas aujourd'hui, voilà, comme vous savez, je l'avais dit dans des lives, je l'avais dit dans plusieurs vidéos, je vais adopter un petit chaton. Donc ce qu'on va aller faire là les gars, c'est qu'on va aller récupérer le chaton. Ça sera un petit vlog où on achètera tout ce qu'il faut pour un chaton, parce qu'il faut savoir qu'il faut acheter des choses, on va acheter des jouets, on va acheter pas mal de trucs. Dans les commentaires les gars, il n'y a pas de nom pour le chaton, c'est une femelle. Donc trouvez un nom dans les commentaires, celui qui aura le plus de likes sera sans doute choisi. On a peut-être un nom, on verra. On a déjà réfléchi avec Bafunch et tout. Donc vous me dites, en tout cas, pour le moment, elle n'a pas de nom. Donc c'est une femme, encore une fois, c'est une femme. Donc elle n'a pas de nom. On va aller chercher ça, j'espère que ça vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche et suivez-moi sur TikTok. Parce que je ferai des TikTok du coup avec mon petit chaton. Voilà, bon, de temps en temps, voilà. Mais sachez qu'il sera très bien accueilli. On va aller chercher ça, à tout de suite. Du coup, on est au magasin actuellement. Nous allons acheter... Bah pour le chat tout simplement il faut des choses. Il faut des choses. Elle m'a dit déjà un truc de transport. Un truc pour transporter le chat. Je pense c'est quoi de. Bah ça non. Ça c'est bien. Ah mais faut le faire quoi. Ouais c'est pas mal je pense, non? Ouais c'est bien. On va prendre ça déjà sûr. Qu'est-ce qu'il faut pour le chaton? Un arbre à chat. Un arbre à chat. Lequel tu penses le mieux? Genre le mieux pour le chat. Si tu mets bien le chaton, là il aura de quoi c'est pas nuire. Pas mal. Il est pas mal. En plus. 54 tu vois ou pas? Le prix est pas mal, 54 euros. Je savais pas qu'un chat ça coûtait. Attends. Attends, moins 50%. VIP moins 50. Ah mais t'es pas VIP, est-ce que t'es VIP? Je suis VIP. T'es VIP chez Darty? Ah, il y a celui-là aussi, regarde, 34 euros. Il y a pas mal celui-là. Top des ventes. Mais bon, celui-là, tu le mets comment dans la voiture? Alors celui-là, avec un petit transat pour dormir. Arbre à chat et grattoir. Ah, mais il est pas, tu vois, il m'attire pas trop. Bah celui-là alors. On est parti, les gars, pour le deuxième achat. L'arbre à chat, on a pris celui-là. On a. Ah oui, donc là, il sera bien. Voilà. Je pense qu'en termes de choses, il est meilleur. Il est meilleur, tu vois. T'as deux jeux de souris, en fait, trois couchages. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il peut jouer, il peut dormir, il peut sauter, tout ça. Et il faut un truc où il peut sauter. Parce que sinon, malheureusement, après, il aura pas les capacités. Alien équipé. Celui-là. Équipé. Let's go. Forcément, les gamelles, hein, pour qu'ils puissent bouffer. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir mettre l'eau. Et qu'on va pouvoir mettre les croquettes. Ok, donc ça, c'est bien. Ça, c'est déjà sûr. Il lui faut un truc pour jouer, je pense. Moi, j'ajoute un achat, je rajoute ça à moi. Ah, voilà. Viens voir, viens filmer ici. Pour jouer. Une petite canne à pêche comme ça, non? Ah, non, bien. Tu prends ça et tu le. Tu vas l'énerver comme ça. Que tu ça, c'est bien ça. On prend ça, celui-là. Ça, c'est bien, ouais. Celui-là ou le poisson? Parce que les chats, ils aiment la souris. La souris, ils aiment bien la souris. Tu les fais jouer pour créer une souris. Vas-y, on prend celui-là, puis c'est les 80 balles. 49 centimes. Et on prend. Attends, c'est une souris ça? Il va être bien accueilli le et celui-là, voilà. Donc là, voilà ce qu'on a pris. Donc les deux petits jouets. Donc la petite souris et ça. Ça, c'est pour que je puisse jouer avec lui. Voilà. Donc ça, c'est bien. Les deux là. On a l'air pas mal. Gamelle. Truc pour transporter. Ok, bac à litière plus pelle. Donc forcément, un chat. Enfin, faut qu'il fasse caca. Donc on prend ça, la petite litière avec la pelle pour pouvoir dépeler tout ça. Ah oui, il y a même une fontaine là. Oh, c'est stylé ça. Mais bon, je pense que ça lui sert à rien quoi. Là, tu prends la litière, ça aussi. La litière, bah il y en a au-dessus, tu peux les prendre. Voilà, cette litre. Celui-là, ils sont bons. Allez, c'est Alain qui décide. On prend celui-là? Ok, on prend celui-là. Et un petit collier? Un petit collier pour l'identifier? Pour l'identifier. Pas mal celui-là. Ah, mais il faut le tour de cou. Ah non, tu n'as pas le tour de cou, tu prendras prochainement ça. Tour de cou 35 cm. Il est costaud, est-ce que c'est. C'est un chaton. Ah bon, c'est pas ça, on verra plus tard. On verra c'est bon. Plus hein. Tard. C'est bon? Là, le truc-là, il peut dormir dedans, ouais. Dans tous les cas, il dormira pas dans sa Il dormira avec toi. Bah c'est bon. C'est bon, je fais un petit récap. Ok les gars, donc on monte vite, fait le petit récap aux gens. Ok, on est donc parti. On a donc la litière. Le transporteur. Voilà. On est bon. La litière. La litière. Avec pelle pour ramasser, on est bon. Les petits jouets. Et la gamelle. Bon. Allez, limite voir le chat comment il fait. Non, imite bien. Imite bien, avec la langue, avec la langue. Non, c'est bon. Ok, bah écoute, on est parti, on va aller récupérer le chaton, parce qu'on l'a pas encore récupéré. D'ailleurs, c'est une femelle. C'est parti. J'ai rajouté juste ça, un petit laser, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent. Je sais que les chats aiment bien les lasers. Et on a changé d'arbre à chat, parce que en fait, celui-là, il coûtait 110 euros. Sauf qu'en fait, si on a la carte Jiffy, et ben en fait, il était à moins 50. Donc, du coup, vu que j'ai la carte Jiffy, bah j'ai pris celui-là, il est magnifique celui-là, regardez. Il est pas beau, il y a ball game. Il peut dormir, il peut sauter, il peut faire ses griffes. Et ça, c'est pas mal. Et le laser, il va jouer. Donc, c'est parti. On va aller récupérer le chaton. Et puis voilà, on se retrouve quand le chaton est là. Alors, voilà, il est parmi nous, le bébé. Ça y est, regardez. Il est à la maison. Il est là. Il est bien chez moi.
Il est stylé ou pas? Regardez-moi comment il est, les gars. Magnifique. Les yeux, non mais les yeux. Les yeux qu'elle a, c'est un truc de fou. Elle est magnifique, je kiffe. Allez, tu valides? Elle est belle. Elle est belle. Voilà, donc faut lui trouver un petit nom. On avait déjà trouvé un petit nom. Ça y est, on a le nom, les gars. Baïda. Il va l'appeler Baïda. C'est-à-dire, ça veut dire blanc. C'est ça. Voilà, Baïda. Vu que c'est une femme, Baïda. À vous de nous dire dans les commentaires. Mais en tout cas, pour le moment, ça s'appelle Baïda. Attention, regardez, hop. C'est premier pas dans le setup. Là, on vient juste, tout juste de la poser. Je kiffe la couleur, c'est un truc de fou. Par contre, c'est le bordel dans le setup. Ah ouais, elle fait ses repères, quoi. J'espère juste qu'elle va pas me dégommer mes câbles, non? Elle va pas pisser dans les câbles et qu'elle va pas les tuer. Elle est tout en bas. Elle s'habitue. Elle a un peu peur au début, c'est normal, hein, les gars. C'est vraiment normal. Ah oui. Dis bonjour, viens dire bonjour à la cam. Elle est trop belle, hein. Ouais. C'est trop trop beau. Je l'ai même pas pris encore dans mes bras. Regardez. Là, elle est bien, tu vois. Là, elle est max. En fait, regarde, elle va... Ah, elle miaule. Elle va dans les coins, ouais. Tiens la cam, je vais la prendre. Ok. Donc regardez. Mais, prends comme un petit bébé. C'est la première fois que je la prends dans mes bras. Prends comme un petit bébé. Comme si tu prenais un petit bébé. Ah oh, ouais, je kiffe. Prends comme un petit bébé. C'est comme un petit bébé, faut... Prends comme ça. Comme ça. Comme ça, regarde. Regarde, regarde. Putain, mais regarde. Regarde, regarde, je te montre. Tu la prends par là, tu vois. Ouais. Comme un petit bébé. Comme un petit bébé. Je suis mort. Vas-y. Donc comme ça, hop. Hop. Voilà. Voilà. Et tu vois, tu couches un petit peu sa tête tout, tout ça. Comme ça, elle se sent en sécurité, tu vois. Voilà. Et déjà, elle ne miaule plus. Elle ne miaule plus du tout. Parce qu'en fait, je vous explique, sur la route, elle a... Bon, après, les chats n'aiment pas la route. Les chats n'aiment pas. Par contre, c'est abuser les yeux. On est d'accord que là, mon chat, incroyable. On valide fort quand même. On valide. Mon petit chaton. Du coup, alors, il faut savoir un truc. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui adoptent des chatons un peu comme ça. Mais moi, je l'ai adopté parce que déjà, bon, forcément, je le voulais depuis longtemps. Mais j'ai préféré attendre un petit peu. Parce que ça, ça fait comme bientôt 2 ans que j'ai la maison. Mais j'ai préféré attendre un petit peu pour pas le prendre directement parce que j'ai pas mal de trucs à faire, à gérer et tout. Mais là maintenant je suis prêt. Il est tout beau. Il a accueilli. Je kiffe. Je kiffe. Oh, faut lui trouver un petit nom, hein. Moi j'ai suggéré Baïda. Baïda, donc c'est-à-dire blanc. Parce que c'est vrai que la personne qui me l'a donné m'a dit de l'appeler blanc. Blanche. Neige. Blanche neige. Enfin blanche. Mais du coup je trouvais pas ça ouf blanc, genre pour une face, enfin, c'est bien pour une neuf, mais tu vois, genre Baïda c'est bien. Après, si vous avez des suggestions dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire. Mais en tout cas c'est vachement stylé. Bon, je vais la poser tranquillement, faut qu'elle fasse ses repères. Non, pose ça sur le ventre de Spider-Man, là ça fait haut. Waouh, faut pas qu'elle ait peur, tu vois. Pose ça sur le ventre de Spider-Man, c'est mieux. Hop. Voilà. Elle peut se poser sur le point. Tiens, elle accroche bien. On l'a acheté là, franchement, si vous voulez. Tu vas lui donner de l'amour ou pas? Oui, je pense. Hein. Dis-nous tout un peu, tes routines, qu'est-ce que tu vas faire avec elle, comment tu vas t'occuper d'elle? À la fin, faut lui donner à manger, je pense. Tu penses? On lui ramène à manger, ramène-lui la gamelle, ici. Bah, elle est là, faut la habituer là-bas. En bas, allez, ou là? Là, dans les toilettes. Toilette? Viens, Baïda, viens. On lui a mis une petite litière. Présentation de la litière, à côté des toilettes, avec à manger, à boire. Les gars, elle va être super bien. Donc vous nous dites ce que vous en pensez, Baïda. Ouais, elle fait ses premiers pas. On va lui ouvrir comme ça, elle va boire. On comprend que sa litière c'est ici. Parfait.